Hello à tous, c'est Frisk, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Resident Evil 7. Allez checker les autres épisodes si vous en avez loupé un. On reprend là où on s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé du papounet à coups de tronçonneuse. On a rencontré des monstres un peu bizarres, transformés, qui sortent des murs et qui se mettent à ramper et tout. Ultra effrayant, putain, j'ai eu quelques frayeurs. Allez, c'est parti! Oh putain, c'était. Hop, je reprends de ça. Juste un petit truc. La grand-mère est toujours là? Putain, elle est là. Mais ça va, toi? Putain, je suis en panique. Elle m'aura fait galérer, Monsieur Baker. Non. Là. Je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Comme ça, c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Ah, c'est Marguerite ou je sais pas qui. À demain. À demain, nouveau. Je peux pas la laisser. Ah, quoi? Ah merde! On joue Mia! Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? What the fuck? C'est quoi cette... C'est quoi ici là? Quoi? Ok, d'accord. Les portes qui se ferment et qui me fait. Qui s'auto-ferment. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En plus, on voit quasiment rien vu que c'est une. Quoi? J'ai une fille? Bah, elle a disparu. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Alors, du coup, si j'avais pas mis la cassette, j'aurais même pas fait ce petit passage. Je suis vraiment. Je suis vraiment lasse. Elle va me voir. Il faut que je me cache. Oh merde. Tu me vois pas. Tu me vois pas, s'il te plaît. Tu me vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À non. Part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Qui c'est cette folle? Qui c'est cette folle? Quoi? 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 Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. C'est un don, mais de quoi elle parle? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais pourquoi elle peut pas... Ah si, c'est ça! C'est parce que j'étais poursuivi, donc du coup j'ai pas pu... Alors c'est censé ressembler à une araignée. Alors si je suis un 3-6... Hop! On est bon! Yes les gars, yes, 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 yes! D'accord, ça ouvre une porte. Putain, il faut qu'il nous donne la techno pour faire ça, hein. Allez, on rampe. Allez, on passe à travers. Du mec, pardon. Ah, quoi? Ah, on y est. Du coup, maintenant, je sais, elle va arriver par là. Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Mais par contre, je veux bien savoir comment elle a fait toi, pour arriver par là. Toi! Qui ça, moi? Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don! Quel don? Mais de quoi elle parle? De transformer les gens en zombies, peut-être? Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Je tente le fou, je fais le fou. Ne bouge pas! Non, 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 non! N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité! Mais elle est sortie de là, elle aussi! Jeune fille. Ah si, là il y a une sortie. Ah! Je veux bien, mais. Je veux bien, je veux bien! Ah là! Non. Ah, c'est la fille, non?
J'entendais. Qu'est-ce qui se passe? Où crois-tu aller comme ça? Ah oui, c'est ça, elle rampe elle aussi. Bah, elle a une caméra partout elle. Non! Le plan A échoué. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? C'est clair, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Sauf si... l'autre enfoiré se pointe. Oui. Oh putain, on est sorti, Gigi. On est sorti. Allons voir Lenda. Ah, c'est une safe zone. Ah, cool. Trop cool. Oh, on est content de tomber sur des spots comme ça. Quelque chose pour nous soigner. Mais c'est quoi tout ça, là? Pourquoi il y a des... C'était pas... Ah! C'est quoi ça? C'est peut-être à Zoé. Qu'est-ce qu'il en sait qu'on est chez Zoé? T'as réussi. J'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça va m'aider à sortir d'ici? Oui. Écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil pour Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Où est-il? Si je le savais, je serais déjà partie d'ici. Ah. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part, dans la vieille maison. Donc si on le trouve, je pourrais aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. Elle, on s'en tape. La vieille maison est au bord de l'eau. Tu ne peux pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère? Sois prudent. Ils vont être après toi. Alors du coup, on va se taper toute la famille. On vient de tuer le père. Maintenant, ça va être maman. Je pensais me perdre dans cette zone, mais au final, pas si grande que ça. Hein. Est-ce que c'est celle-là? Eh ben oui. Alors, j'avais pas le droit d'y aller tout à l'heure, mais maintenant, je peux. Heureusement que je vérifie, hein, parce que... C'est quoi toutes ces poupées? Ils ont vraiment besoin de faire ça? Putain. On est reparti. Mais c'est que ça? Oh. Allons-y, let's go! Non, pas à l'infini, pas comme ça. Ah, ok, d'accord. Tu peux tuer le... Attends, mais j'ai dû lui mettre 40 000 balles là, tout à l'heure. Je souffre! Je souffre! Aboulez-moi le lance-flamme, les gars! Putain, et sérieux, les gars? On joue à Resident Evil, j'ai zéro munitions. Avec le truc arachnide là. Ah, c'était le brûleur, d'accord. Attends, on va devoir le fabriquer nous-mêmes, le lance-flamme. Je vais regretter. Ah non. Ah, c'est une autre safe zone. Ah putain. Vous pouvez maintenant transporter. Oh oui. Ah, c'était un sac. Agrandis son inventaire. Et là. Oh yeah, mais...
yeah, mais un petit peu pas trop yeah non plus. Parce que j'ai pas de quoi... J'ai pas de quoi les fumer. Ah, c'est pour faire monter un pont. C'était peut-être pas nécessaire là tout de suite. En effet. Tue-moi ça. Charcle-moi ça! Très belle porte. Ah, un autre bout. Excusez-moi. Hop. C'est quoi, c'est ça? Combiné avec ça? Ah bah ça suffit, il suffit juste de faire ça pour faire un lance-flamme. J'arrive bien. Ah, c'est plutôt propre là. Ethan? Quoi? Qui quoi? Ah, elle est là! Ethan! Maintenant ça suffit, Mia. Je veux des réponses. Je sais. Essaie de me fumer 40 000 fois. J'ai voulu t'en parler, mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Ah, le frère relou. Ah, c'est ça. Ça dérange, Yves. J'emprunte maman juste une minute. Arrête pas planté là. Fais quelque chose. Ethan, au secours. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Merde. Ils sont tous tarés dans cette famille. Et une fois qu'on a la statuette, on fait ça, on ouvre la porte. Fiche le camp d'ici! What the fuck? Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas y aller? Te voilà! Qu'est-ce qu'il a fait? Coucou. J'ai eu chaud. Cette vieille déglingo. Casse-toi. Ah, ça va mal se passer. Ah, je suis pas bien. Et du coup, on est passé de l'autre côté. Ah merde, y'a plus la caisse. Pour se planquer si elle se pointe là-haut. La folle. Attends, on veut aller là. Pour aller récupérer le petit mécanisme. Voilà, on a la manivelle. On est bon. Je le sens pas. C'est là. Essaye d'échapper à mes petits protégés, connard. Sale petit con, montre-toi. Comment elle me parle, elle? Attendre qu'elle revienne. Allez, attention, je... Où est-ce que tu te caches? Où es-tu? Te voilà. Quoi? Me trouver? Elle est derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Cours, Ethan, cours! On n'a pas le temps. Ouh.
C'est quoi ce super coffre? Ah, la fameuse clé corbeau. Super. On a trouvé la clé corbeau. Et presque. Vraiment presque. Putain, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Ah oui. Et donc, du coup, là, on est... On est juste avant le couloir. Sauf que je sais pas où aller. J'aimerais bien aller fermer la porte. Nope. Putain. Et là, tranquillement, on y va. Chut, ne retourne pas, ne retourne pas, sale vieille. Pauvre. Là, et là, on passe par là. Ouais, c'est ça, je crois. Oui, on passe par là. Allez. Oui, la clé corbeau. Et là on peut. Je t'ai dit de ne pas s'approcher d'ici. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain. Je suis pas prêt pour un autre boss fight. Qu'est-ce qu'elle fait? Très bien, petit enfoiré. Tu l'auras voulu. Tu vas mourir dans ce trou et tu vas aimer ce... Dégage! Dégage! Dieu seul sait ce que toi et Zoé manigancez! Mes bébés! Quoi? Qu'est-ce qui... Tu penses pouvoir débarquer et faire ce que tu veux avec ma famille? Mais non, moi je veux juste récupérer... Ma femme. Dégage toi. Tu dépasses les bornes. Tu m'entends? Tu dépasses les bornes. Voilà ce qui arrive quand on s'invite dans des lieux où on n'est pas censé être. Mais casse-toi! Casse-toi! Oh putain, je vais traiter mon de mal. Je commence à en avoir assez de toi, jeune homme. On peut pas s'enfuir, hein, c'est ça. Attends, quoi? C'est à moi, c'est à moi. On peut pas monter ici. Casse-toi, vas-y, reste là-bas avec ta lanterne, genre. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Target acquired. Quoi? Tensu? À propos du sérum, série les ingrédients suivants. Nerf crânien de série D, nerf périphérique de série T. Ça doit être ça. Du coup, on a trouvé le... What the fuck? Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est Zoé, j'espère. Alors? Ouais, c'est Zoé. T'as trouvé le sérum? Ouais. Je viens d'en finir avec ta mère et ses satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. Je suis désolé. Et pour le sérum? Laisse mort. J'ai trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Une tête de série D et un bras. Ça peut pas être ça. Une tête? Je crois que j'ai ça quelque part ici. Vraiment? Mais aucune idée pour le bras. T'as exploré toute la maison? Non, pas encore. Quoi? Il me reste à fouiller l'étage. Ok. Trouve-le et rejoins-moi à la caravane. Oh, merde. Rien à y mettre, moi. Cette porte semble reliée à la balance. Tac. Où est-ce que je vais trouver? Mais comment on va faire? On va pas...
faire ça, il faut lui récupérer sa lampe. Je suis fucked up. Je suis con. Je suis fucked up. Pourquoi j'y vais? Putain. Quoi? Air Hop? Oh la vache. C'est spécial. Il est un peu drôle quand même, lui. Je l'aime bien, ce mec. Putain, quelle famille dégénérée. C'est très très malaisant. Ah, on a débloqué un raccourci. C'est bon, on va pouvoir sauvegarder là. Ah, j'ai peur. Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure des belles familles? Je ne pense pas. Alors, bah, enfin, on a rencontré la belle maman, mais... elle est un peu horrible. Allez, je vous laisse pour cette vidéo. Rendez-vous la prochaine fois pour la suite de Resident Evil. A plus, c'était Frisk.